Coucou à toutes et coucou à tous, donc nous revoici pour une deuxième partie. Donc j'ai dit que j'allais faire une variante de cette coiffure, que je mettrai le lien ici, que vous pouvez voir par ici sur YouTube. Donc pour faire cette deuxième variante, je vais utiliser le même modèle, ok, et je vais tout simplement cette fois-ci la méthode des tresses aux élastiques, mais ça sera légèrement différent. J'espère que ça va marcher parce que des fois le résultat n'est pas très joli à mon goût. Alors peu importe le résultat que je vais avoir, je vais poster la vidéo parce que j'avais commencé une première fois et j'ai pas trouvé le résultat très joli. Et je me dis là, le plus important c'est de participer. Donc je vais utiliser les tresses au fil et je vais utiliser des extensions. Donc ce qui se passe pour les extensions, je ne sais pas trop si je vais faire ça long ou pas. Tout simplement, je vais ce que je vais faire en vidéo, je ne sais pas trop. Faire, je crois que je vais couper parce que je ne suis pas très fan des mèches trop longues. J'aime pas trop quand c'est trop long. Et avec mon fils qui tire sur tout ce qu'il pend, j'ai pas forcément envie qu'il m'arrache les cheveux, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais tout simplement tresser mon extension. Je vais essayer de faire je vais faire 4 nattes que je vais ensuite comme à l'ancienne mettre dans mettre dans l'eau. Enfin bref, je vais natter et puis on va voir la suite. Donc finalement, j'ai pris 2 paquets dont je vais natter parce que quand j'avais commencé à natter, je voulais en faire 4 sur un paquet. Mais je trouvais que les nattes étaient trop fines. Donc j'ai pris 2 paquets et j'ai fait 2 nattes pour chaque paquet. Et je garde le dernier pour la coiffure. Donc voilà. J'espère que ça sera assez pour vous allez comprendre camoufler le bout. Vous allez comprendre quand je ferai la vidéo. Et voilà, donc on va commencer la coiffure.
résultat est un peu spécial. C'est mieux que la première fois. Finalement, les deux extensions que j'ai fait, les nattes au début de la vidéo, je les ai utilisées pour faire mon pourtour, pour cacher mes cheveux en arrière. Je ne sais pas vraiment si c'est vraiment bien camouflé, mais voilà, c'était le but. J'aurais voulu que ce soit un peu plus comme ça, mais je pense que c'est le fait que les nattes sont lourdes que finalement ça tombe ou pas. Donc voici le résultat final. Je ne sais pas comment c'est, mais en tout cas c'est space, vraiment space comme coiffure. C'était qui avait fait ça sur YouTube? Je crois que c'était Shameless Maya qui avait fait à peu près ce genre là. Et en tout cas, j'ai essayé. C'est mieux que la première fois. C'est pas comme ça que je voyais le truc. Comme vous avez pu voir, ici j'aurais mis trop de mèches parce que mes cheveux ici sont beaucoup plus fins. Et si je me prenais une dimension moyenne, c'était pas topissime. Et je pense qu'après j'ai trop pris. Donc je vous montre le résultat. Voilà. Et voilà. Bon, sur ces petits mots, je vous dis à bientôt. Bye bye.